Les amis, alors pour notre première vidéo de l'année 2020, je vais commencer par vous souhaiter bonne année à tout le monde et à chacun. Et comme nous vous avions promis en 2019, il y a eu un challenge qui a été lancé dans le cadre de la vidéo la plus regardée. Et nous avons pu noter l'internaute que vous allez voir dans la capture d'écran qui a gagné ce challenge, notamment en donnant le nom, le titre de la vidéo la plus regardée. C'était justement la tribu de la femme la plus belle. Je ne suis pas seul dans cette vidéo, je suis avec Nick. Et Nick, un mot pour les abonnés. Bonsoir chers abonnés, bonne année à vous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rago Jeune. Rago Jeune. Et n'hésitez pas surtout à aller visiter la page de Réveil du Week-end. Nous avons rencontré des étudiants et nous leur avons posé la question de savoir à quand la première fois? À quel âge? Je vous invite à regarder juste derrière. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Moi c'est Francky. Et moi c'est Michel. Enchanté Michel. Merci. Alors aujourd'hui nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, à quel âge est-ce que vous l'avez fait pour la première fois? Jamais. Mais pourquoi? Vous ne l'avez jamais fait? Oui. Non, vous êtes encore chaste? Oui, oui. T'es là-bas! Donc c'est en cours de téléchargement. Est-ce que quand même vous avez déjà une petite copine? Et est-ce que c'est peut-être parce que votre foi vous empêche de faire avant le mariage? Oui, c'est le cas. C'est la foi parce que vous devez le faire après le mariage? Non, avant le mariage. Vous devez faire avant le mariage. Oui. Donc vous avez déjà une petite copine et vous envisagez? Oui, c'est le cas. D'accord, je vous remercie. Ok. Aujourd'hui, nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, à quel âge est-ce que vous l'avez fait pour la première fois? 15 ans. À 15 ans? Oui. Est-ce que vous avez gardé une bonne expérience? Est-ce que ça a été un bon moment de découverte? Un très bon moment même. Très même. Quand c'est bien fait! Donc, si c'est qu'il vous demandait, si c'est qu'il était question de le refaire, vous le referez à 15 ans? Oui. D'accord. De cool. Donc ça veut dire ceux qui pensent qu'on devrait découvrir sa femme après le mariage ou découvrir cela après le mariage, vous ne faites pas partie. Ça là, ce serait un grand problème. En fait, ça dépend des situations, non? Et ça dépend aussi de chaque mentalité. Oui. Chaque mentalité de chaque personne. D'accord. Donc ça, c'est du cas par cas. Oui, du cas par cas. D'accord. Je te remercie. Ok. Merci. Bonsoir, mon ami. Bonsoir. Moi, c'est Francky Anno. Oui. Et moi, c'est Monga Jean-Pierre. Ok. Bonsoir, Monga Jean-Pierre. Bonsoir. Bon, si nous sommes devant toi aujourd'hui, c'est pour vous poser une question très simple et pratique à répondre. Moi, on voudrait savoir quelle est la première fois que tu as eu. À quel âge est-ce que tu as framponné, en fait? C'est ce qu'on veut dire. Bon, c'était. Il y avait à 16 ans. 16 ans. Ouais, ouais. Tu faisais quelle classe à 16 ans? Je faisais la classe de seconde. En seconde? Ouais. Ça t'a pas un peu dérouté ou bien? Pas du tout. N'est-ce pas? Ouais. Bien sûr. Et c'est dingue. Il y a les photos. Et aujourd'hui, nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, à quel âge vous l'avez fait pour la première fois? Pour être sincère, pas véritablement. Pas véritablement. Oui. Donc vous êtes encore chaste, en fait? Bon, on peut dire oui. Oui. On peut dire donc, oui. Peut-être vous avez déjà fait des caresses et tout, mais pas encore entré dans l'acte même. C'est ça, exactement. D'accord. Oui. Mais est-ce que c'est pas par hasard par rapport à la foi, à la religion? Mais enfin, toi et moi, on est resté. Tu m'avais dit quoi? Pas de sexe avant le mariage. Donc, justement, il y a en venir. D'accord. Justement. Bon, d'après ma foi en Dieu, un rapport sexuel hors mariage, ça s'appelle fornication. Oui. On ne veut pas chier en paix, je chie. Et en plus, les multiples conséquences qui vont avec. Donc si on enlève la fornication, il y a les IMST, les maladies, les grossesses précoces. Oui. Bon, pour moi, le sexe. Ça ne concerne pas, les jeunes ne devraient pas, en quelque sorte, se donner à ça. Et après avoir fini le poulet, on va finir ensemble chez moi. Hein? En première position. En première position. Oui, même dans les couples. Mais je veux dire, même dans nos relations, le sexe ne devrait pas intervenir en première en position. Priorité. En priorité, c'est ça.
Jésus a fait manger du poisson à 5000 personnes sans demander quelque chose en retour. Moi, rapport, étant chrétien, la Bible condamne ça. Et moi-même, je m'abstiens. D'accord. Il préfère l'abstinence. On reste chaste jusqu'au mariage. Justement. Je te remercie. Mariage. Bonsoir, ma chérie. Merci, bonsoir. Moi, c'est Frankie Anno et vous. Linda. Pardon? Rina Kelly. Rina Kelly. Ok, Rina Kelly. La question qu'on voudrait savoir aujourd'hui, c'est quelle est la première fois que toi tu as eu à. À quel âge est-ce que tu as eu à. Ah, ça, tu comprends déjà. Ah bon? Ouais. 19 ans. Elle était pas bien compris. À 19 ans. 19 ans. Et comment est-ce que tu as trouvé ça? C'est une sensation bizarre, j'ai perdu quelque chose. Sensation bizarre, tu as perdu quelque chose. Aïe, 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 Marco. Ouais. Ok, Marco, on aimerait savoir à quel âge est-ce que tu as eu à framponner une fille, hein? Tu comprends? 15 ans. 15 ans. Ouais. Ouais, Marco, à quel âge? 15 ans. Ouais. Et vous faisiez quelle classe à cette époque? Je faisais la 5e. Il réfléchit, ça veut dire qu'il y a du doute quelquefois. Continue. Seconde. Et ça ne t'a pas dérouté? Non, comment? N'est-ce pas? Il y a eu les photos pour prouver que c'était en seconde. Non, il n'y a pas de photos. Il y a qu'on filme, on ne filme pas. Pourquoi? On ne filme pas, non. L'intimité. N'est-ce pas? Ok, merci Marco. Aujourd'hui, nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, à quel âge vous l'avez fait pour la première fois? En seconde, 17 ans. En seconde, 17 ans. Oui. Et ça a été une très bonne expérience. Vous étiez préparé à ça ou est-ce que c'est la dame qui voulait? Oh, bon. Nous deux, on était préparés. Bon, c'était juste par curiosité. Oui. Et si c'est qu'il vous était donné de refaire, l'occasion vous était donnée de recommencer, vous le referez en seconde et à 17 ans. Oh, bien sûr. Avec du recul. Je vais bien faire ça, mon frère. D'accord, je te remercie. Merci aussi. À quel âge vous l'avez fait pour la première fois? Qu'est-ce qu'on a fait pour la première fois? Le Mapoli. À 13 ans. À 13 ans. Oui. Et dans quelle classe comme ça? 6e, 5e? 4e. 4e, oui. 13 ans. Oui, 13 ans. Et tu étais conscient de ce que tu faisais? Oui, j'étais parfaitement conscient de ce que je faisais. À 13 ans? Oui, à 13 ans. Ça, tu étais déjà très éveillé à 13 ans alors? Oui, 13 ans. C'était toi-même qui voulais, c'était pas la jeune fille qui voulait, tu n'as pas été violée, en d'autres termes? Bon, c'était partagé. C'était partagé? Oui, c'était partagé. Donc c'était accord consentant? Oui, consentant. À 13 ans. 13 ans. Je te remercie, mon frère. Ok, merci à vous. Ah, mais tu es... Ça, là, ce serait un grand problème. À quel âge vous l'avez fait pour la première fois? Non, mais je trouve que cette question est un peu plus personnelle. Donc, c'est mon intimité, je ne vois pas pourquoi. Je n'ai pas... En fait, comme je vous ai dit au début, nous posons des questions un peu osées. Donc... Oui, je vois vraiment. Celle-là, elle est vraiment... Osée. Très osée. D'accord. Je te remercie. À quel âge est-ce que vous l'avez fait pour la première fois? Bon, si je me souviens bien, dans mes 14-15 ans. 14-15 ans? Oui. 6e, 5e? 4e. 4e. Oui. C'était consentant ou est-ce que c'est la jeune fille qui vous a pris de force? Non, consentant, pas de force. C'était pas par curiosité, tu savais déjà quand même ce que tu partais? Oui, je savais, puisqu'on s'amusait souvent. Ah oui. Donc... Non, c'était pas la première fois. Laissez-les s'amuser. Première fois, vous avez commencé et... Tu savais où tu partais, tu savais là où tu mettais. Bien sûr. Très bien. 14 ans. 15-14, si je me souviens très bien. Parce que ça fait longtemps, donc si j'ai bonne mémoire. Entre 14-15. En quatrième. Oui. Je te remercie, mon frère. Merci.
Alors, les abonnés, j'espère que ça vous a plu ce que nous vous avons présenté. Je vous invite à noter en commentaire toute imperfection que vous allez rencontrer au long de cette vidéo. Vous pouvez nous proposer les sujets que nous allons faire dans les différents tournages. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.